Cause I ride for my clique, I get live with my clique, don't get high with my clique, do it down for my clique, that is all that I know. Alors, yo, salut tout le monde, c'est Proz et aujourd'hui, on se retrouve sur Black Ops 2, on lance un free-for-all, let's go! Woo, stand up! Donc, avant de commencer, j'aimerais vous laisser savoir que le RC de la Solar, donc ma team, est sorti pour les 100 000 abonnés, donc ils ont lancé un RC qui a commencé il y a 2 jours, donc si vous voulez aller voir ce RC-là et essayer de rentrer dans la team que je suis en ce moment, eh bien, allez-y! Ça va être dans la description le lien de la vidéo, donc allez voir ça. Sinon, petit changement aujourd'hui, on est en free for all et autre modification, on est en sensibilité 14. Comme vous pouvez voir, peut-être par mes déplacements, mais on est en sensibilité 14. Ça faisait un petit bout que je me disais que ça pourrait être vraiment le fun d'être en sensibilité 14 puis d'essayer ça. Et hier, justement, j'ai décidé de... Je me suis dit pourquoi pas essayer de me mettre en sensibilité 14. Et il s'est passé quelque chose de tellement what the fuck. C'était un genre de clip vraiment bizarre que j'ai rentré, c'était vraiment drôle. Donc c'était la deuxième partie que j'avais mis sensibilité 14. J'avais joué en partie privée avant avec pour pouvoir m'échauffer un peu à la sensibilité 14. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la deuxième partie que j'ai lancée, j'ai rentré un clip vraiment bizarre parce que premièrement c'était un 2 clips 1 game. Puis deuxièmement c'est parce qu'il y a une petite particularité du clip qui fait que c'est tellement bizarre puis que j'aurais jamais dû rentrer ce clip là. Ok, ça roule, c'est bon. Ok, donc avant de vous montrer le clip et vous de l'expliquer en tant que tel, j'aimerais vous parler un petit peu de tout ce qui est en lien avec le fait que je suis en sensibilité 14 en ce moment. Initialement, c'est pas un changement permanent. C'était juste pour le plaisir, je voulais essayer ça parce que je trouve que jouer en sensibilité 14, ça donne un style tellement différent à des clips. Tous les mouvements sont plus rapides comme je viens de faire. Tout a l'air bien plus fluide. Et les clips en free-for-all à sensibilité 14, je trouve ça juste incroyable à regarder. Je trouve ça vraiment trop beau. Donc, je me suis dit que ça pourrait être le fun d'essayer ça. Puis que je savais que j'étais capable un peu, comment je dirais, de gérer la sensibilité, on peut le dire. Donc, j'ai toujours voulu essayer ça. Et je me suis dit, pourquoi pas l'essayer. Donc, en ce moment, je sais vraiment pas si ça va être un choix permanent ou quelque chose comme ça. Ou si je risque de peut-être juste garder Black Ops 2 à sensibilité 14. Ou n'importe quoi du genre. Mais je voulais l'essayer au moins une fois. Oh putain. Parce que mon idée initiale c'était de faire une genre de série en free for all en sensibilité 14. Mais là maintenant que vu que je vois que j'étais capable de vraiment maîtriser un petit peu plus la sensibilité 14, je trouve que c'est quand même très positif de garder ça. Donc j'hésite à juste rester en sensibilité 14 sur Black Ops 2. Je sais vraiment pas encore. Donc dites-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse ça, un genre de série en free-for-all à sensibilité 14. Ou si je devrais peut-être rester en sensibilité 14 parce que je pense que je suis capable de la maîtriser. Mais ça veut dire que ce serait une grosse adaptation parce que les autres Call of Duty je serais pas au maximum. Mais celui-ci je le serais. Donc dites-moi ça dans les commentaires, ça serait très apprécié. Ok, donc je vous montre le clip à l'instant. Donc c'est ça, j'étais sur Nuketown, je m'en viens ici, au spawn, tu petite 360, puis là je me fais stock. Et ça meurt juste jamais, je me fais juste tout puis je meurs pas, ce qui est supposé jamais arriver. Et après ça j'arrive dans le spawn un peu plus loin, comme on voit ici, j'arrive juste à 3, je rate une balle, boum la collade pour la pod feed. Donc ça c'était le premier clip que j'ai rentré dans cette partie là, juste après m'être fait toc, donc ça faisait aucun sens. Et plus tard dans le gameplay, je m'en viens ici au spawn sur Nuketown. Et je me suis fait lancer une EMP, ce qui est un peu dommage. Mais sinon, j'ai rentré une petite quad feed parce qu'on va voir la médaille de quad feed apparaître. Donc c'était un 2 clip 1 game comme ça, c'était ma deuxième partie à sensibilité 14. Mais c'était quand même vraiment plaisant. Mais c'est sûr que je trouve what the fuck parce que au spawn, je me suis fait tirer une flèche de crossbow sur moi et elle a juste jamais explosé. Fait que dans ma tête, ça faisait juste aucun sens que ce soit arrivé ça. Je sais même pas comment c'est possible de se faire hitmarker par une arbalète. Mais c'est arrivé, puis dans la même vie que je me suis fait hitmarker par l'arbalète, j'ai rentré un clip. Donc disons que c'était assez spécial. Wouhou! Le petit jump. Donc c'est ça, je suis encore en réflexion par rapport à la sensibilité 14. Je le teste encore en ce moment, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si je vais être capable de la garder. Mais je l'essaie un petit peu en ce moment, je vais voir comment ça va donner. Puis si ça me tente de la garder, au pire je la garderai. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait que je fasse quelque chose comme ça. L'avantage aussi je dirais de jouer en sensibilité 14, c'est un léger avantage, mais c'est quand t'es capable de vraiment bien la contrôler,
Ça fait qu'à courte distance, on a beaucoup plus de facilité à ajuster l'ennemi parce que c'est plus facile de tourner plus rapidement à courte distance, donc ça permet de faire des kills plus faciles quand on est plus proche. Mais le problème, disons, c'est qu'à longue distance, faut être très très précis. Parce que c'est extrêmement difficile d'être précis à longue distance avec sensibilité 14. Mais c'est pas impossible, suffit juste d'être habitué. Mais je sais pas non plus si c'est la meilleure des idées parce que je suis pas un joueur de free-for-all. Puis je risque de sûrement pas rester en free-for-all à cause du fait que c'est beaucoup, beaucoup de trucs sur Twitter en free-for-all. Comme vous voyez en ce moment. Et le problème c'est que moi j'en suis pas un, donc je trickshot jamais le dernier. Puis je risque de pas le faire, mais le problème c'est avec que le monde soit plus ou moins content. Parce que je suis tout le temps les derniers, donc je pense pas que je vais vraiment rester en free-for-all. Bon, donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui tout le monde, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a mis un sourire au visage. N'hésitez pas à laisser un commentaire par rapport à ce que je vous ai dit, si je devrais garder la sensibilité 14 ou peut-être descendre à comme j'étais avant à 12. Je sais pas encore, donc dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, eh bien, n'hésitez pas à laisser votre appréciation si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine tout le monde, c'était Prose, ciao!